Vas-y, garde-la, garde tout, parce que tu m'as déjà donné 5 000. Hein. Après, franchement, tu vois. Putain. Ah, il y aurait de la T'es coke sûr et que de tu la veux weed à ça? faire, mais franchement, bah, il y a tout qu'à bouger en fait. J'avais un contact qui m'avait dit un peu les plans. Tout a bougé, donc là, pour se faire, c'est un peu chaud, tu vois. Après, je me demande. Putain, il y a des bruits chelous, ça me fait peur. J'ai l'impression que c'est les flics qui débarquent. Je me demande ce qu'on peut faire, tu vois. Est-ce qu'on peut tenter les bijouteries, peut-être? Attends, je vais regarder un peu sur le GPS qui a marqué. Reznov, ils sont braqués des mecs tout simplement. Par exemple, le mec tout à l'heure, pourquoi on l'a pas braqué au lieu de braquer une supérette? Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est Allez, clair. Reznov, il nous faut les couilles, on les a, mec. On est prêt à se faire du fric, on voit grand, mec. On va rester comme ça toute notre vie. Toi, mineur et moi, électricien, sérieusement. Non, sérieusement, viens, on fait ça. On prend une arme à l'armurerie pour moi et on braque pour le premier mec qu'on voit sur Ah la oui, route. t'avais toujours pas d'armes, putain, mais on est con, franchement. On est con. On Ok. n'a pas eu le temps de penser à ça, mais c'est pas grave, de toute façon c'était pas utile. Viens, on fait ça, Vas-y, mec. vas-y, on se ramène à une armurerie, Mais tranquille. par contre, faut brûler la voiture. Vas-y, je m'en occupe. Ouais, vas-y, brûle-la. Bon, il va foutre la voiture en l'air. Oh là là, mais on n'a tellement pas eu de chance, quoi. Oh, ah, ça rapporte rien, c'est un truc de fou. Ça rapporte vraiment, vraiment rien, quoi. Ah, en plus, il va falloir rentrer au centre-ville, là, pour y arriver. Je pense qu'on devrait appeler un taxi, ouais. On va appeler un taxi et on va partir au centre-ville. Là, ouais, c'est chaud là ce qu'on a fait là. Là ce qu'on a fait, c'est chaud, c'est chaud. Surtout pour que ça nous rapporte aussi peu. Ah, c'est horrible. Ça nous a rapporté mais rien du tout là quasiment. Rien, rien, rien du tout quoi. Ouais, t'es sérieux avec ton truc là? Tu veux pas qu'on prenne un 4x4 un peu plus discret? Mec, laisse tomber, vas-y monte, j'aime trop cette voiture, je vais T'es la un piper après plus cinglé. tard. Tu veux faire quoi? Dis-moi. Vas-y, je te colle un point sur la carte, ok? Ok, vas-y. Par contre, hé mec, faut vraiment pas qu'on se fasse choper, donc fais gaffe, hein. Mais non, t'inquiète pas, je conduis comme un dieu, on m'appelle le Ah pilote merde. légendaire, mec. Où est-ce que c'est le point là? Oh, tu le mets ce putain de point ou pas? Ah putain. Et GPS, Raznov, mets le point. C'est de l'argent sale que t'as? Ouais, c'est de l'argent sale, putain. Eh, fallait tourner là, putain, tu sais même pas où aller. Cette voiture elle démarre pas des Mais t'es fois! bourré, Les mon freins pote, sont encore. pétés! T'as pas Mais non, je suis pas d'écuyer. bourré, je te jure! Mais non, cette fois-ci je suis pas bourré, mais je te jure que la voiture elle déconne des fois! Mais par contre, là, si on se fait contrôler par les keufs, je suis désolé, mais ça part en fusillade directe, hein. Je sais pas si tu vois le truc, mais là, j'ai de l'argent sale. J'ai le gun. Et encore, bon, au pire, l'argent sale, on peut dire qu'on l'a trouvé par terre, tu vois. Mais est-ce qu'ils vont pas faire le lien? Ouais, c'est eux qui ont braqué la supérette et tout. Ça me fait flipper, franchement. Tu crois vraiment que les fédéraux ils ont que ça à faire de penser à un mec qui a deux mecs qui ont braqué une supérette, franchement. Attends, hey, l'hindou qui était derrière la caisse, t'aurais vu la gueule qu'il faisait quand on braquait. Et Ouais, t'es pas très j'avoue. content. Et puis bon, est-ce qu'on sait pas si l'autre il nous a pas balancé, tu vois? Je suis sûr qu'il nous a balancé, je te le dis, je Ouais, vois mais les trop gens, ça c'est, passer c'est, au les gens chauve ici, là. c'est des balances, mec. Ça sert à rien, ils balancent tout. Ils balancent tout, tu peux faire confiance à personne. C'est pour ça qu'heureusement que t'es revenu en ville. Parce que franchement, mais qu'est-ce que j'aurais fait tout seul? Je me serais fait balancer, je serais déjà en taule, je suis sûr. Putain, y en a, ils ont des voitures de luxe. Waouh! Putain! Tu veux Mais pas me tu l'es laisser cette conduire voiture elle là? a des... Non t'inquiète mais cette voiture elle a des soucis, les freins elles marchent pas, crois-moi. Putain, mais. En même temps, Mais t'as moi vu j'ai les suivi paf que le t'as kiff volé, mec. mec! C'est. Ok, c'était Ouais facile à mec voler, c'est mais un... mate le truc, quoi. Mais C'est au moins une c'est épave. abandonné, y'a personne qui va se plaindre mec. Si vous pouvez être heureux qu'elle est... Mec on peut pas voler toutes les voitures qu'on voit dans des coins mec, faut Ouais, profiter mais autant hein. qu'on vole des voitures rapides, parce que attends, les flics, je te dis, ils ont pas des Ah donc voitures de ça y merde, est, hein. on fait du carjacking, on est devenu des vendeurs de voitures quoi, on peut pas rentrer dans ce délire-là, Bah, j'ai l'impression qu'on c'est peut faire que dangereux. ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Ok, passe par là. Oh, en face. Putain. Wow! Bon, laisse-moi descendre, laisse-moi descendre, laisse-moi descendre, Non t'inquiète pas, laisse-moi descendre. non c'est bon t'inquiète pas, Putain, c'est et sors bon. mon flingue, je te bute. Laisse-moi descendre. T'arrête Razdov, c'est bon t'inquiète, t'inquiète, je Laisse-moi gère. descendre, laisse-moi descendre. Je gère Razdov, je gère, t'inquiète pas, Tu je fais que de la gère. merde. Bon, écoute, là Ok. sur le lieu du chantier là, tu vois, il y a plein de camions. C'est les camions qui revendent le cuivre. Donc là, les mecs, c'est-à-dire que quand ils vont repartir de là, ils vont avoir 6000 boules sur eux. Ok? Donc dès qu'il y a un camion qui sort de là, on l'intercepte. De toutes les manières que tu veux. On l'intercepte, on le Ok. bloque avec le véhicule, on le fait descendre et on lui demande de nous donner du fric.
S'il veut pas nous donner du fric, marche, on l'allume. Ok, vas-y. Ça marche, je vais chercher mon flingue. Ok, l'armurier est là. Je vais boire un petit coup de vodka là, attends. Non, bois pas, c'est pas le moment. Oh. Non. Mais c'est pas drôle. Putain. Eh, je te revois boire, oh, je te remets des droites. Hein. Ça va. Je vais te soigner, moi. Bonjour. Ok, nice. Il va s'acheter son premier gun. Ça va être lourd. Ça va être lourd. Mec, comme à l'ancienne. Wouhou. C'est énorme. Yeah, allez, mon pote. Salut. Salut, ça va bien? Bien, et toi? Salut. Ça fait longtemps que t'es en ville? Ah ouais. Ouais, nous on est arrivé il y a quelques jours et tout là. On est en train de tranquillement se faire un petit peu d'argent et tout. Normal. Bah, ça fait plaisir de rencontrer des gens sociables parce que dans cette ville on parle à des gens, ils te répondent pas, ils tracent leur route. Hein. Ouais, c'est. Bah, on se méfie un peu. On est dans la ville. Ouais, bah ouais. Bon, bah du coup. Ah, mais c'est toi qui as la moto? Ouais, c'est moi. Ok, c'est une moto volée ou tu l'as achetée? Non, elle est à moi. Ah, bah, ça va, tu fais du fric toi? Ouais, on essaie dans un forêt. Ah, du coup, tu traînes dans des magouilles pour avoir autant de blé et tout? Enfin, je sais pas, on se connaît pas, hein, je te demande ça et tout, mais. Non, bah, chacun son métier. Ah, ça veut dire que toi, t'as peut-être un petit bon plan là. Ah bah je recherche aussi, pour te dire. Là t'as de l'argent sale là? Non, j'ai rien sur moi, c'est pour moi qui a transport. Ah ouais, t'as une mule, ok. Ouais, je vois à peu près. Bah j'ai des mules, moi je me prends dans la ville et je fais les contacts. D'accord. Ah ouais. Bon bah... Sors ton flingue. Ok, bouge pas. Est-ce que t'as du fric sur toi? J'ai 50 dollars. T'as 50 dollars, c'est tout? 50 dollars. Et comment on peut être sûr que t'es que 50 dollars? Tu peux le fouiller si tu veux, maintenant. Vas-y, fouille-le. Par contre, je suis désolé, mec, hein, qu'on soit obligé de faire ça, on ne veut pas de mal, hein. On veut juste du fric. Tu sais, la vie en ce moment, c'est super dur. Il a vraiment que 50, putain. Ce con là. Et t'as combien sur ton compte en banque? Espèce de con là. C'est bon, le fera pas. C'est épique. Okay. Ok, bon, on se taille. Au revoir. Putain, c'est dingue. Comme je dis, j'ai pas d'argent sur moi. Putain, il a pas d'argent sur les filles, chier. Putain. Oh, on est dans la merde, faut qu'on change. C'est là où tu m'as dit tout à l'heure là. Faut qu'on change de véhicule, man, t'es fou quoi. Ouais. Eh, d'habit ou je sais pas. Ouais, faut qu'on change de fringue et tout, mec. Ah, le mec, sinon il va nous balancer et tout, on va être mort. Vas-y, trouve-moi le magasin de vêtements le plus proche, s'il te plaît. Vas-y, on va déposer le véhicule par là et on va s'acheter des fringues. Voilà, là ça sera bien caché. Vas-y, gros, on change de fringue. Ok, c'est bon. Ok. Allez hop. On se rachète des vêtements. Oh, t-shirt. Ok, c'est bon. On a tellement une chance. Ah, là, on était obligé là. Bah, on a encore perdu de l'argent du coup. C'est pas super rentable là, mais le mec avec 50 sur lui, quoi. Il fait chier lui aussi. Putain. Ouais, après c'est nos coupes de cheveux et tout, hein. Peut-être que ça va être grillé, je sais pas. Faut qu'on fasse gaffe quoi. Bah vas-y, il nous faudrait un gros véhicule. Hey mademoiselle. Arrête, putain la pauvre. Putain mais t'es trop sur les nerfs. Mais elle va appeler les flics, arrête. Vas-y viens. Carjacking. Ok, on carjack. Oh my God. Vas-y, carjacking direct, mais allez, on s'aille. Bah c'est la plus grosse voiture que j'ai vue. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, pour qu'elle est grosse, elle est grosse, hein. Bon, viens, on va où tu nous as dit. Ouais, je l'ai fouillé, il avait 3 centimes sur lui, ce coup. Non mais t'as vu qu'il utilise des mules. Le mec, pour son argent sale, il le donne à des mules. Ouais. C'est pour ça, il se fait jamais choper, en fait, le mec, c'est abusé.
Vas-y, viens, on va carjack, un camion et puis. Attends. Oh, y'en a un. Regarde, regarde, qui s'installe. Il y a un camion qui s'installe, tu le vois? Là-bas? Dès qu'il sort de là. Parce que là, tu vois, je pense qu'il est en train de revendre à son fournisseur. Dès qu'il a tout revendu, c'est là, mon pote, qu'on attaque. Dès qu'il sort de ce trou-là, il va aller à un distributeur. Il va tout mettre sur un compte. Les mecs, ils sont pas fous, ils restent pas avec des 10 000 sur eux et tout. Là, tu vois, là, il prend du cash, là, il prend du cash. Dès qu'il a pris du cash, parce que là, ils sont en groupe, hein. T'inquiète pas que les mineurs, entre eux, ils ont une fraternité, mon pote, t'y vas, on se fait déglinguer, direct. Ouais, je vois le dire. Là, c'est pour ça, faut vraiment rester discret, tu vois. Genre, on reste là, tranquille, on va attendre que le mec vienne. Le mec, il vient, hop, on le carjack. Après, il se déplace en groupe, hein. Faut faire vraiment, vraiment gaffe, parce que les mecs se déplacent en groupe. Et ça, ça pue. Parce qu'ils ont tous un flingue, hein, crois pas. Si on ouais, je me suis renseigné de ouf, mec. Attends, je prépare ça depuis tellement longtemps. Bon, là, par contre, putain, l'argent sale, va falloir que je m'en débarrasse. Hein. Si je me fais contrôler, je sais pas ce que je vais faire. Hein. Faut trouver quelqu'un pour le blanchir, tu vois, mais... Putain, je connais personne dans cette ville pour blanchir l'argent, moi. Même l'autre, t'as vu? Qui utilise des mules. Donc, le mec, à mon avis, c'est pas un petit débutant qu'on a niqué, là. Mais même lui... Ouais, il sait pas comment faire. Quand vraiment on aura de belles armes, qu'on aura braqué, fait nos petits braquages et tout, peut-être de la drogue un petit peu, on pourra se faire le vrai braquage de banque. Voilà, je te dis même pas les thunes qu'on va se faire. Et il y aura des braquages de bijouterie et tout ça. Apparemment, il y a des bijouteries qui ouvrent en ville. Et ça, je pense que ça peut être lourd, tu vois. Oh putain, il y a les flics! Il y a les flics! Il y a une bagnole de flics, t'as vu ou pas? Là là là! Là là là, sur la colline, tu la vois? Regarde, regarde, tu vois pas la bagnole de flics là-bas qui les protège? Regarde, regarde. Oh putain, ouais. Eh ouais, les mecs sont protégés, mon pote. Ça rapporte tellement de flics. Bien sûr que les flics sont là. C'était sûr. Ouais, ok. Bon, j'ai vu où est-ce qu'il est remonté, les mecs. J'ai vu où est-ce qu'il est remonté. Ils montent au distributeur, tu sais où je t'ai donné l'argent. Je pense qu'il faudrait qu'on y aille. Ok. Et qu'on les attende là-bas. Je sais pas pourquoi ils vont pas au plus proche, celui qui est derrière nous, mais vas-y, viens. T'es sérieux? Ah mais c'est devenu une habitude chez toi de carjacker là maintenant à chaque fois. Bah ouais mon pote, attends, on a pas de caisse, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Par contre j'espère que les flics vont pas entendre l'alarme. Putain pauvre con! Putain mais fais gaffe! Putain mais il a pas mis le clignot, va te faire foutre! Non oh, fais pas le con, fais pas le con! T'es sérieux là, connard! Fais pas le con! Putain t'as tiré! Mais t'es malade! Mais pourquoi t'as tiré? J'ai juste tiré sur la jambe! J'ai juste tiré sur la jambe, t'inquiète pas! Mais mec, t'as foutu le bordel en ville! Mais non, je vais juste tirer sur la jambe, je te dis qu'il est encore en ville, je vais juste tirer sur la jambe, putain. Mais t'es cinglé, mec. J'ai l'impression que les flics nous ont vus, hein. Allez, hop, avance, allez. T'es vraiment une voiture de merde, putain. Ouais, mais au moins, elle nous transporte, tu vois. Putain, je vois aucun mec, toi aussi? Ouais. Y'avait aucun mec, on est d'accord. Y'a personne, mec, faut qu'on bouge là. Ils ont peut-être fini le boulot, hein. Ah, mais fini le boulot à cette heure-là, c'est chaud quoi. Vas-y, je pense qu'on devrait aller au traitement, voir s'il y a des mecs. Oh, pourquoi il nous prend en photo lui? Qu'est-ce qu'il fait ce connard? Pourquoi il nous prend en photo lui? Oh, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais t'es sérieux là, connard? Vas-y, viens. Oh putain, je crois que tu lui as mis un méchant coup, mec. Ah, okay. Mais ça va, il doit être encore en vie ce con, mais bon, y'a pas de sang par terre, c'est l'essentiel. Putain, mais tu gagnes. Il nous prend photo! Ouais, mais pourquoi il nous prend photo, man? On est des bêtes de foire ou quoi?